Opération Cap Fête Jodia, c'est lancement officiel de des travaux d'exploration Cap Fête Jodia et que c'est une compagnie qui est le Petrogaz Haïti SA qui est composée de personnalités haïtiennes et de professionnels haïtiens qui la donne. Jodia, c'est lancement officiel travail, ça qui va le déraper là et que nous souhaitons que travail ça yo abouti positivement. Travail ça c'est pour recherche d'hydrocarbures, c'est-à-dire pour faire recherche gaz, pétrole et gaz naturel. D'abord yo fait le mandio, d'abord le bureau des mines analyser est-ce que yo une capacité, d'abord technique, ensuite financière. Maintenant une fois que yo réuni deux conditions ça yo, capacité financière, capacité technique, eh bien yo ba yo permis. Voilà. Effectivement, un protocole d'accord qui est signé avec yo, qui joigne et la non-objection et de la Cour supérieure des comptes. Et ensuite, puis yo capable de faire travail ça, yo négocier une convention avec l'État haïtien. Et la convention ça, li signé par deux ministres porteurs de ce dossier. Et ensuite, li joigne non-objection et la Cour supérieure des comptes. En attendant que les autres suites légales, parce que convention 1, nous connaissons qu'il faut le passer dans le Parlement. À partir du moment que l'exploration aboutit à des résultats concrets, positifs, eh bien, il y a un permis d'exploitation. Premièrement, nous commençons à travers Gantier. Nous avons l'autre localité, Lagonave, et dans Prescule du Sud. Donc nous gagnons tout le département de l'Ouest. Donc c'est sûr et certain dans chaque localité ça yo, gagnons des exercices qui pourraient le faire, exercices techniques qui pour afficher exactement et déterminer dans qui point et qui côté que nous devons commencer et continuer. Attendant c'est arrivé premièrement clarifier est-ce que il y a un pétrole en Haïti? Si oui, quel type de pétrole là et quantité là? Film Trinidadienne ça c'est lui-même qui est responsable aspect technique et aspect opération Petrogaz. Parce que Trinidad, c'est eux-mêmes, nous avons dit dans le Caraïbe Blanc, c'est un bastion dans la connaissance dans le niveau ça. Donc, société ça, c'est Caribbean Wealth Services Limited Company, qui a opéré au niveau de Trinidad et qui est avec nous depuis 2003 jusqu'à nos jours. Donc, nous avons une programmation d'investissement qui est dans 81 millions de dollars. Donc, non seulement ça, c'est une partie, ce n'est pas tout investissement, cependant, elle n'a pas avancé au-delà de 81 millions. Donc, il y a l'autre investisseur qui a accepté de collaborer et travailler de conseil avec nous pour nous capables de satisfaire et aboutir à un résultat définitif. Nous sommes des patriotes incomparables parce qu'il faut être très patriote pour pouvoir décider d'investir autant d'argent pour prospecter, faire des recherches pour savoir si gagner ou pas pétrole en bas sous-sol. Nous souhaitons que ça, son début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle Haïti.